Il faut faire attention à quelque chose qui est. Paris, le cinéma, ça me va moi, ça correspond un peu à ça va, je suis acteur, je suis de Paris, donc je trouve ça bien. En plus je vais aux États-Unis, donc c'est un festival franco-américain. Mm-hmm. Voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravi d'être là. En plus il fait pas trop moche. Donc ça va. Qu'est-ce que c'est la différence entre le cinéma français et le cinéma américain? Bon, la taille des tueurs. Sinon, il n'y a pas de différence, c'est le même métier. Il y a peut-être plus de liberté pour le metteur en scène en France qu'aux États-Unis, le final cut. Mais sinon, c'est le même métier. Hein. Moi, je l'ai fait un peu dans le monde entier, c'est pareil, toujours. Même en ce qui concerne les films indépendants, il n'y a pas de différence Non, pour moi, un film indépendant, un film pas indépendant, c'est un film. Donc c'est la manière dont on va le gérer derrière. Le film indépendant, c'est le film avec un final cut pour moi. Ouais. Donc c'est français. Une sensibilité finalement quoi, c'est tu pas... Que c'était des films indépendants. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Et comme tu as du tapis rouge. Ah, et comme tu as du tapis rouge. Ouais, le tapis rouge, ouais. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hein. Ça fait partie du cercle, du métier. Oui, mais vas-y, à Los Angeles, c'est vachement important. Ouais, mais moi je suis français, donc c'est moins important. Ouais. C'est-à-dire que... Je reste quand même français aux États-Unis. Je m'adapte à la culture américaine. Et je me souviens, mais je suis quand même un étranger. Mon fils, il sera américain, mais moi, je suis français. C'est bien. La French touch, faut la garder. Toujours, faut la garder, c'est clair. On est bon ? Merci, on est bon. Merci beaucoup. Merci, monsieur Martinez. Alors,